Bonsoir. 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 Ça va, vous êtes bien installé? Alors on va commencer. Il y a bien des années, en terre d'Allemagne vivait un homme qui s'appelait Michael Kolas. C'était un éleveur de chevaux. Son père et son grand-père l'avaient été avant lui. Des générations et des générations d'éleveurs de chevaux. Ils sont beaux, ces deux-là. Tu me les vends? Vendre? Ici, maintenant, là? Mais pourquoi pas? Ils viennent te prendre au trot. Ça fait comme ça, au trot. Ils viennent te prendre. Hein, écoute comment doucement le trot glisse vers le galop. L-A-L-O-I, c'est ça, Claire? Ben, c'était comme si elle lui avait remis le cœur à sa place. Michael, c'est bon! Michael, écoute! Oh, Michael, mais pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt, Michael? Le procès ne s'annonçait pas bien, non? Non, pas bien, non. Colas sentait que désormais, dans l'enclos de son cœur, s'était ouvert un gouffre béant. L'après-midi, il fit les funérailles d'Elisette dans un cercueil blanc. Et le soir, il rassembla ses 7 serviteurs et les arma tous. D'épées, des flèches, des lances et des torches. Et les branches des arbres devinrent lances. Et les racines des arbres devinrent épées. Et les baies des arbustes pointent de flèches. Par le fer et par le feu. Lui, l'empereur, concéderait à celui de ses princes qui mettrait à disposition une armée pour détruire et anéantir Michael. Colas! Colas! Le destin, le futur, voilà comment je prends le destin. Je voulais rester dans le cercle des hommes. Ce sont les hommes qui m'ont chassé de leur cercle. Je suis venu.